Ça y est, un coucou du monde entier. Je m'appelle Angela Angela la star. Je vais vous raconter une histoire qui est très drôle. L'histoire que je vais vous raconter, c'est beaucoup de filles ont vécu ça et personne n'ose raconter. Donc, ma petite histoire que je vais vous raconter, elle est celle-là. Quand j'étais jeune, j'étais pas la plus belle de ma jeunesse, mais j'étais la plus coquette, j'étais la plus gentille, j'étais la plus aimable. Et ma cousine m'a... Voilà, donc j'étais passe-partout. Moi, quand j'arrivais quelque part, on m'acceptait, on me disait toujours de revenir. Et puis, j'avais fait mon champ de cacao grâce à mes parents qui étaient cultivateurs. Après, j'avais fait mon champ de patates douces grâce à l'aide de mes parents. Oh. J'avais 14 ans. Et mes parents m'ont aidé à faire mon champ. Vous savez, en Afrique, quand vous avez fini de cultiver votre champ, vous allez vendre vos vivres. À peine j'arrive au marché, donc comme tout, il y a un monsieur qui vient, qui m'achète toute ma marchandise. Je ne sais pas si je suis là. Les mobura. Donc les mobura non, la patate boire mobura. Et boire mobura mais ne boire rong rong. Les patates rong rong qui sont jaunes là à l'intérieur. Le gars arrive comme ça, il m'achète tous les trois sacs de patates que j'avais. À l'époque, un sac de patates coûtait 1500 francs CFA. 1500 francs CFA. Quand j'ai fini de vendre, ma maman vendait aussi à côté. Ma maman vendait à côté. Je suis allée, je lui ai donné l'argent. Elle m'a dit, tu veux... Mais coucou, moi, j'aimais le nyanga. C'est pour ça que le nyanga ne me dit plus rien. Tu vois, non. Ma foi, maman a dit, tu veux... Là, tu as 1500. Tu as besoin de quoi? Mais coucou, je lui ai dit que... Je vais acheter le caribou. Je suis allée acheter le caribou. Elle m'a donné l'argent. J'ai acheté le caribou. J'ai acheté le soutien. J'ai acheté un slip. Pas le string. Il y avait à l'époque, on faisait les slips bien. Avec la dentelle devant. Derrière, c'était le coton. Et à gauche, c'était... Tu ouvrais comme ça, pas. Tu vois, non, c'était les soutiens où c'était, tu ouvrais avec les pas. Donc, c'était comme... comment je peux vous dire? Les papas. Tu ouvres comme ça, pas. Les soutiens. Donc, le slip était... Oh, mes cocos, ça coûtait 150 francs, 100 francs. Après, j'ai acheté le fil pour me faire les tresses. Mais comme je suis fragile du crâne, je ne me faisais pas trop les tresses. J'ai acheté le fil, j'ai acheté le savon caribou, j'ai acheté ma gamme de toilette. Et le reste d'argent, j'avais demandé à ce que maman me mette ça de côté. Mais je ne sais pas. Après, oui. Oui, mais coucou. J'ai acheté le bifara de 500. Oui. Beaucoup comme ça. Ça a nourri toute ma famille, tout mon village. Sauce gombo, bifara dedans. Sauce d'arachide, bifara dedans. Ndolé et bipa. Sauce d'arachide, mebura et bipa. Tu veux manger le manioc? Vous savez qu'au pays, vous pouvez faire le kukuma. Donc le foilon et bipa, l'arachide dedans. Et aussi le manioc, les feuilles de manioc là. Les bonnes feuilles de manioc fraîches, bien là. Rémi Kana, bon gantira, ma famille, bon gantira. J'avais alors, donc, le bifala nous a nourris pendant un mois. Oh, mais on faisait tout avec.
sauce d'arachide. Donc, moi, ce que j'aimais manger là-bas, c'était le pomme. Donc, le pomme, le feuille de manioc. Pas le genre qu'on nous vend dans les magasins. Le genre que ça ne remet pas long au feu. Parce que ce qu'on nous vend dans le magasin, mais coucou, c'est tellement dur que tu te demandes si tu manges la viande ou le poisson. Normalement, le légume n'a pas à être dur comme ça. Mais ils nous vendent ça dur dans les magasins. Et puis, c'est tellement mal écrasé que bon vraiment, bref, mais coucou, moi, je ne mange pas toutes ces choses-là. Quand ils veulent manger ça, ils m'en vont au pays. Comme là, je vais bientôt aller au pays. Et je ne vous dis pas quand je serai au pays. Je vais passer à trop de jaloux. De jalouses. Comme ça là, qui disent que wow, wow. Bon bref, je m'avais mangé ça, donc tu vois, on me prépare, moi-même je prépare, à l'époque quand j'allais au pays, on me préparait le pain avec le sel dedans, et on mettait le bipa, donc c'est ce que je fais, le bipa, non, le bipa, mais beaucoup le bipa que j'avais acheté, c'est un grand pain, c'était un sac de bipa comme ça, oh la vie était belle. Oh là là, vous avez raté une belle vie à l'époque, hein. Mais coucou, vous qui êtes nés hier, là, vous avez raté beaucoup de choses. Hein. Bon, et puis vous aussi qui êtes nés avant, là, vous avez raté beaucoup de choses. Moi, je vous dis, les années 70, 76, nous sommes les meilleurs. Voilà, nous, on a bien vécu, on a bien mangé. Moi, j'ai bien rigolé avec ma jeunesse, j'ai bien ri. Mais j'ai bien profité. C'est pour ça que moi, maintenant, rien ne me choque. Vous voyez, non. L'essentiel, c'est d'avoir la petite santé, la paix du cœur, et puis voilà. Le reste, là, hein. Voilà. J'étais à Nantes aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de courses. J'ai acheté les parfums, j'ai acheté les chaussures, les amis. Après, je ne vais pas vous choquer, je ne vais pas vous montrer tout ça à Facebook parce que... vous voyez déjà que le peu que je ne montre pas là, on veut déjà même le petit là. Voilà. Vivons cachés. Dis-moi, un peu Minkarba, il y avait quelque chose qu'il devait ajouter dedans. Oh, aimons-nous vivants. Oui. Donc, du coup, quand je suis allée alors dans le milieu des Français, ah, mais moi, je suis passée tout de suite. Hein. Ça a collé. Non, ça n'a pas collé tout de suite. Je suis allée à Sodexo, un truc comme ça, à Yaoundé, ou Acropole. J'arrive là-bas, le monsieur qui a tenu le bar en français, il n'a pas voulu me servir. Non, il ne m'a pas servi. Hein, mais coucou, il a servi tout le monde. Il ne m'a pas servi, il m'a engueulé. Mais coucou, c'est pour ça que le milieu m'avait plu, hein. Voilà, il m'a pas servi, il m'a engueulé et puis bah, je me suis dit, oh bon, bon. Aïe, bon, bah, je vous raconte un peu ma jeunesse. Hein. Avant j'avais des copines, hein. J'avais une famille, c'est la vie. Mais coucou, dans la vie, il ne faut s'attacher à rien. Tu vois, non, ça peut basculer sur toi, comme ça a basculé sur moi. Tu vois, non. Les gens disent oui. Anna Suna, parce que tu as fait non. C'est le destin. Il y a qui font pire que moi. Oui, oui, tu as négligé. C'est pour ça que tes enfants. Non. Non, mais coucou, ça n'a rien à voir. C'est une question de destin. Il y a les gens qui font du mal, qui piétinent, qui ont tout dans leur vie. Oui, ça peut basculer du jour au lendemain. Tout une chacune, arrêtez de se moquer. Hein. Bon, après moi, ça m'a fait rigoler vos commentaires. Et puis, moi, je ne dis plus rien parce que j'accepte tous vos reproches. Même, mais coucou, tout ce que je vais faire, on va toujours reprocher. Mais moi, j'accepte ça. Moi, je m'en vais au lit, pardon. J'ai tout. J'ai déjà, tellement que vos injures là, maman. Moi, je prends tout. Maintenant, j'avale. J'avale. Heureusement que il y a sur 1000 commentaires, il y a que voilà, mais ma famille camerounaise, mais coucou vous êtes camerounaise. Les Camerounais ne me critiquent plus. Ils ont compris que moi je suis pala. Ils se sont adaptés à moi, ils ont aimé comme ça. Ils m'ont aimé comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je vous aime hein, comme vous êtes. Hein. Franchement, l'amour, là, c'est important. Je vous dirai toujours merci. Et je vous dirai toujours d'essayer de faire comme moi parce que ça ne sert à rien de jalouser quelqu'un. Moi, j'avance. Hein. Bisous.